j'avais envie de partager avec vous une vidéo sur les dernières nouveautés de chez Sigma. Donc, je vais avoir pas mal de choses à vous montrer et à partager avec vous. J'ai tenu le coup, j'ai reçu ça en milieu de semaine, je n'ai pas ouvert, donc je vais découvrir en même temps, ça c'est du direct live, et donc d'où cette vidéo justement d'une revue spéciale Sigma, marque que j'affectionne énormément. Donc on va commencer par quoi? On va commencer par ça, tiens, le plus petit. Donc celui-ci c'est un bronzer de la gamme Nightlife, donc avec un packaging super mignon, qui est très pailleté, donc là c'était la couleur Lime Light que j'ai pris. Donc on va voir un petit peu comment ça se présente. Donc c'est un peu la même dimension que pour leur blush. Donc vous avez le packaging qui se présente comme ça, qui est dû au chrome holographique, pardon, qui est très très joli. Et donc le bronzer, j'arrive à l'ouvrir, voilà. Parfait. Donc c'est les couleurs que j'applique, donc qui est très très joli. Donc c'est un bronzer mat. Au niveau du swatch, je vais vous faire un petit swatch. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose d'assez léger, mais qui suffit, vous voyez, pour faire un petit contouring léger ou pour réchauffer votre teint, tout simplement. Donc voilà, très très joli, pas du tout poudreux. C'est un mat, il y a un petit miroir qui va avec. Donc déjà, ravi pour celui-ci. Donc celui-là, c'était un bronzer. Ensuite, dans la même gamme, j'ai pris, donc dans la gamme Nightlife, je vais y arriver. Donc toujours le packaging qui est au rendez-vous. Et là, on est sur une palette de fards. Vous voyez qui se présente comme ça. Donc c'est très très joli. Donc ça se glisse tout simplement. La palette est un peu du, bah, tout simplement du même style que le packaging. Oh, elle est trop belle. Elle est trop belle. Déjà que je l'ai trouvée belle sur le site, mais alors là, c'est encore mieux. Donc je vais enlever la petite protection et donc voilà cette magnifique palette. C'est tout à fait mes couleurs. On est pas mal sur de l'irisé. Si vous avez quelques mats tout de même, donc c'est vraiment une palette qui est sublime. Elle est vraiment magnifique. Franchement, je suis bluffée. Je vais vous faire quelques swatchs. Donc on va faire en partant du haut. Hein, je vais vous faire à partir du haut. Donc ouais, juste un swatch de celui-ci qui est très très joli. Alors attendez, hop, donc, comme ça et comme ça. Alors, donc je vous ai fait les quatre premières lignes. Hein. Au niveau des swatchs, vous voyez, ça se présente comme ça. Et je vais vous faire ça ici. Donc voilà. Donc on a la pigmentation qui est là. C'est des fards qui sont très jolis. Vous avez du gold, vous avez du chocolat. Vraiment, c'est super beau. Je vais faire la deuxième ligne. Donc là, on a sur un rose pâle, un mauve, un prune et on va dire une couleur un peu prune bordeaux. Vous voyez, très très beau fard aussi. Je vais vous les mettre ici. Hop. Pareil, super pigmentation et moi j'adore ces palettes là parce que vraiment la pigmentation est là, il se travaille super bien ces fards. Et donc pour la dernière ligne, donc là on est sur un genre de gris revolver, on a un noir mat qui est juste magnifique, on a un marron chocolat et un gris beaucoup plus clair. Vous voyez, ça présente comme ça, vous avez vu la pigmentation du noir, j'en perds mes mots, elle est juste splendide. Et donc, au niveau du swatch, voilà ce que ça donne. Mais la pigmentation, je reviens pas, quoi. Le noir, il est juste magnifique. J'ai beau essuyer mes doigts, vous voyez, ça part pas. Donc voilà, au niveau de cette palette. Cette palette est juste magnifique, splendide. C'est tout à fait les couleurs que j'aime. Au niveau des swatchs, vous avez vu, la couleur est vraiment là. Franchement, je pense que le prochain tuto va être avec cette magnifique palette où tout simplement je vais l'attaquer cette semaine. Donc si vous voulez voir des make-up avec cette palette cette semaine, ben, venez vous abonner et vous venez vous rejoindre tout simplement sur ma page Facebook. Donc voilà pour cette palette qui s'appelle Night. Non, ça c'est la gamme Nightlife. Est-ce qu'elle a un nom? Bah oui, a priori c'est la palette Nightlife. Donc voilà, écoutez, celle-ci ça va être, je pense, un gros chouchou. Voilà pour ça. Ensuite, on va attaquer par quoi? On va attaquer par ce petit kit. Alors ça, c'est un kit qu'ils appellent Cool. Vous avez dedans trois crayons pour les yeux et un pinceau, donc le E30, un pencil brush. Au niveau des crayons, j'ai la couleur Focus, Electrify et Flirt. Donc on va voir un peu comment ça se présente au niveau de ce kit.
Donc, j'ai pas encore eu l'occasion de tester donc, les crayons de chez Simane. Vous voyez, ça se présente comme ça. Vous avez donc les trois crayons pour les yeux et donc le pinceau qui met dedans le kit également. Donc c'est un pinceau tout simplement. Donc c'est le Pencil Brush, le E30 de chez Sigma, vous voyez, qui est tout mimi, tout rose. Donc voilà pour ce kit. Donc c'est bien parce que j'en vois bien comme ça. Donc, je vais tout de suite dans ma boîte à pinceaux. Et donc au niveau des crayons, donc on a un vert, on a un bleu et on a un genre de marron taupe. Donc je vais mettre ça dedans. Je vais vous faire quelques swatchs. Donc celui-ci qui est donc le Electrify. Donc il y a un genre de bleu avec des sous-tons prunes quand même. Je pense qu'il est même prune tout simplement, enfin dans les tons violets. Je vais vous montrer un petit peu au niveau du swatch. Donc il n'est ni trop gras ni trop sec. Donc voilà pour la couleur qui se trouve ici. Donc c'est vraiment c'est un prune, hein, c'est un violet, hein, donc qui est très très joli. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, on va avoir le vert qui lui s'appelle Flirt. Flirt, lui qui est un vert un peu métallisé et relativement clair. Vous voyez, qui se présente juste là. Donc très lumineux aussi, très très joli. Voilà pour ce crayon. Et le dernier qui est le Focus. Donc comme je vous disais, un genre de marron taupe. Et donc celui-ci, donc qui est un petit peu plus clair. Voilà. Il est très lumineux également. Vous voyez. Qui est vraiment super joli. Donc la pigmentation est là, je vous dis, ils sont ni trop gras ni trop secs. Après on verra dans la muqueuse comment ça se passe. Donc je vous en reparlerai à l'occasion où je vous ferai un maquillage avec ces crayons-là. Ensuite, j'avais pris donc 4 kits qu'ils ont sorti principalement dans le monde de Noël. Donc on va commencer par le premier qui s'appelle Tidy. Donc il se présente comme ça. Honnêtement, je ne me souviens plus ce que j'avais pris. Hein, donc on va regarder tout ça ensemble. Donc sur la boîte, on va regarder. Alors celui-ci, voilà, c'est des pinceaux. Celui-ci, c'est des pinceaux. Ah oui, je l'avais pris pour celui-là, surtout pour ce pinceau-là. Qui est quand même super connu chez Sigma. Qui est le Taproot Kabuki, le F86, qui se présente comme ça. Et je voulais le prendre surtout, vous voyez, pour appliquer l'anti-cerne. Alors, il est quand même vachement souple. Je m'attendais à ce quelque chose de plus dense. Il est pointu, il est dû aux fibres. Et je pense qu'il est dû, c'est top. Parce que vous voyez, il est vraiment pointu. Et pour estomper l'anti-cerne ou même pour mettre la poudre, je pense qu'il va être vraiment génial. Et c'est pour ça que je le voulais depuis un bon moment. Donc celui-ci, le F86. Tout de suite. Ensuite, je vais avoir celui-ci qui est le E44, le Firm Blender. Donc celui-ci, je ne l'avais pas non plus. Qui se présente, alors, Firm Blender, qui se présente comme ça. Et au niveau de la brosse, vous voyez, c'est une brosse assez longue. Elle est moyennement dense. Donc je pense que pour l'estompage en creux de paupière, elle va être vraiment topissime. Ou même en dessous, en ras de cils. Et franchement, ça va être un pinceau qui va être génial. Donc voilà pour celui-ci qui était le E44. Le dernier, c'est un aussi qui est sorti il n'y a pas longtemps, que je voulais absolument tester. C'est le Soft Blend Concealer, le F64. Voilà, c'est le fameux pinceau, pareil, pour appliquer l'anti-cerne que je voulais tester aussi. Donc il est juste top. Donc voilà pour celui-ci. Vous voyez, il est fin, il est moyennement dense. Et donc on va voir et on va pouvoir le tester sur l'estompage et l'application de l'anti-cerne. Donc il va plutôt être sympa. Donc pour l'instant, c'est une belle trouvaille. Ensuite, le prochain s'appelle le Coffee Date. Donc il se présente comme ça. Celui-ci. Alors, je crois qu'il y avait celui-là, il y avait des quelques fards dedans. Donc on va voir ça tout de suite. Hop, donc j'ai des fards. Ouais, donc restez coincé dedans. Le tien avec moi. Donc, au niveau de celui-ci, donc en effet, j'ai trois fards et un pinceau. Donc on va commencer par le pinceau. Le pinceau, c'est le E25, le blending. Donc j'en avais déjà, mais il est juste génial. Donc ça m'en fera trois. Et c'est un pinceau un peu, je crois, c'est l'équivalent du 217 de chez MAC. Et celui-là, il est juste top, voilà, pour vraiment faire le coin externe, remonter, estomper sur le creux de paupière ou même au-dessus pour les couleurs de transition. Celui-là il est génial et pour l'estompage aussi, donc gros chouchou, vous devez l'avoir celui-ci. Donc voilà pour le pinceau. Ensuite, en ce qui concerne les fards, donc les eyeshadow, celui-ci c'est la couleur café au lait. Donc le packaging, il est présenté comme ceci. Donc c'est un
un fard qui est marron chocolat, donc, qui se présente comme ça. Au niveau de la couleur, on est vraiment sur du marron, donc très très joli, donc c'est un mat. La pigmentation est là aussi, et donc je vais vous montrer un petit peu ici ce que ça donne au niveau du swatch. Voilà, pareil, c'est quelque chose, un fard qui a l'air vraiment de super bien s'estomper. Il est vraiment très très joli, très très chaleureux, donc en couleur de transition, il va être juste être génial. Donc voilà pour ce fard. Ensuite, je ne mélange pas tout. Le deuxième fard, ça va être le Notre-Dame, qui lui se présente comme ça, qui va être un petit peu plus pailleté. Et donc, voyons ce que ça donne. Hop, un joli fard. On est pareil, hein, sur le même type de packaging. Et donc là, on est clairement sur un fard qui est juste top. Vous voyez, il est dans les. Il a des micro-paillettes dorées à l'intérieur. C'est un genre de marron. Ouais, c'est une couleur assez particulière. Et il est vraiment super beau. Je vais vous faire un swatch peut-être un peu plus parlant. On dirait qu'il, vous voyez, qu'il tire un peu sur le marron et le prune. Donc vraiment un fard qui est très joli. Au niveau du swatch, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, c'est un fard qui est très lumineux et vraiment qui est très très joli. Donc là, on est vraiment sur un marron, un marron avec des sous-tons, prunes. Et il est vraiment très joli, très lumineux, avec des micro-paillettes dorées, il est très très joli. Donc voilà pour ce deuxième fard. Ensuite, le dernier fard, celui-ci, c'est le Chaise. Donc c'est un fard, j'ai l'impression d'être un fard mat. Celui-ci va se présenter de la même manière que les autres. Et là, on est sur, oui, on est sur un mat. Pareil, couleur de transition, il est un petit peu rose pâle. Il est vraiment très très joli. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir. C'est toujours l'inconvénient des couleurs claires pour vous les montrer. C'est toujours un peu compliqué. Donc voilà, c'est ce que je disais. On ne va pas le voir. Donc on va dire que c'est plus une couleur nude. Donc une couleur légèrement irisée. Que vous pourrez mettre en dessous de sourcil ou juste pour estomper juste au-dessus du creux de paupière. Donc voilà, qui est un fard très joli, neutre et qui s'appelait Chaise. Voilà pour ce kit là. Donc l'autre kit, on va faire le Peach Perfect. Donc qui est l'avant-dernier kit. Celui-ci, qu'est-ce qu'il y a-t-il dedans? Alors, on a également. Alors, hop, je le vide. On a aussi. Trois fards et un autre pinceau. Donc le pinceau, c'est le célèbre E40 qui est juste pareil pour estomper. Vous voyez, qui est un pinceau relativement long, très fluffy et très précis. Donc celui-ci, c'est le E40. Voilà, il est très très pratique et celui-là, je l'adore. En ce qui concerne les fards, là on est plus sur des couleurs aussi que j'affectionne beaucoup. On est sur Passion Fruits pour celui-ci. Alors, voyons ce que donne notre Passion Fruits. Et celui-ci, il est vraiment sur une couleur top. Un genre de vieux rose, un peu légèrement. Non, il est mat celui-ci. Il est mat, pareil, qui va être juste être top pour une couleur de transition. Où est-ce que je peux vous le swatcher? Je vais vous le swatcher là. Ouais. Très très joli, très chaleureux et en couleur de transition qui va être juste top ici. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, le prochain s'appelle Apricot Flowers, comme ça. Donc celui-ci, donc abricot, je pense qu'il doit avoir des couleurs un petit peu orangées, voilà. Celui-ci, il est voilà, clairement dans les couleurs abricot, orangé, un petit peu avec des sous-tons de rose. Pareil, c'est un mat, couleur de transition top aussi, pigmentation au rendez-vous. Je vais vous montrer ce que ça donne, voilà. Pareil, couleur très chaleureuse, pigmentation top en creux de paupière. Il va vraiment être génial pour celui-ci. Ensuite, l'autre, il s'appelle Cherry Blossom. Donc celui-ci, il va être plus sous les tons rose pâle. J'arrive à l'ouvrir. Et donc, celui-là, pareil, couleur de transition. C'est un peu pour ça que je les ai pris. Vous voyez, c'est un rose pâle qui est mat et assez clair. Et qui peut faire aussi en coin interne, hein, justement, vu qu'il est clair. Et donc, je vais vous montrer ici. Plus trop de place. Voilà. Comme toutes les couleurs claires, on a toujours du mal à le voir.
Mais voilà, donc c'est un rose pâle très 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 clair et qui est un mat. Bon, voilà pour celui-ci. Et pour le dernier, donc celui-ci s'appelle Eyes Essentials. Il se présente comme ça. Donc, celui-ci, je pense que ça va être que des crayons, que des pinceaux. Je ne me trompe pas. Et celui-ci, alors il a un pinceau qui est le E30, le Pencil, donc en version plus grand que tout à l'heure. Donc le E30, donc c'est vrai que ça faisait un moment que je voulais l'avoir celui-ci, donc qui est beaucoup plus long que ceux que j'avais, parce que j'en avais d'autres, en l'occurrence celui de chez Zoeva, il est bien, vous voyez, il est plus court et plus dense. J'avais également aussi un autre de chez, où est-il, je ne le retrouve plus, enfin bon, ceux que j'avais étaient soit trop courts, soit trop denses, et celui-ci, voilà, c'est comme ça que je voulais, donc il est très très joli et très pratique. Donc voilà pour mon pinceau crayon. Ensuite on a le prochain que je n'avais pas, qui est le Diffuse Crease, le E38, qui est un pinceau justement, voilà, il est hyper souple et voilà, pour le creux de paupière va juste être génial, parce qu'il va bien estomper la matière et voilà, au niveau de la densité du poil, il est vraiment très très léger mais précis en même temps, s'il est fin, il est fin, donc il va vraiment être très pratique pour le creux de paupière. Donc celui-là est sympa. Et le prochain, c'est le dernier, donc c'est le E54, le Medium Sweeper. Donc c'est un pinceau plat, très très pratique, donc je n'ai pas ce format là. Et donc il se présente comme ceci. Et donc voilà, qui va être très pratique pour appliquer le coin interne, la paupière mobile, le dessous de sourcil. Quoi dire de plus, il va être top quoi. Donc voilà, pour ces kits, écoutez, c'était une spéciale dernière nouveauté de chez Sigma. La palette, juste une tuerie, j'ai trop hâte de faire un make-up, je pense que dès lundi je vais m'y atteler. Donc voilà, et bah écoutez, la pigmentation est là, je suis ravie, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura peut-être conforté sur un choix que vous hésitiez à prendre en ce qui concerne ces kits. Profitez-en parce qu'ils partent très très vite. Je vous conseille d'aller sur d'autres vidéos où souvent vous avez des codes promo qui se font sur ce site. Ils livrent quand même assez rapidement, il faut compter, c'est quand même aux États-Unis, il faut compter à peu près entre 10-15 jours grand maximum. Donc voilà, mais ça en vaut quand même largement le coup parce que les fards, la pigmentation est là, les palettes sont juste top, les pinceaux sont génialissimes. Donc j'ai envie de dire, bah, foncez les filles, hein. Oui je sais, je suis une vilaine diablesse. donc voilà, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas moi j'ai apprécié vous la faire. Et puis en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine, ciao.